Au départ, ils sont 15. À la fin, il n'en restera qu'un. Coucou, c'est le 7ème épisode sans shaders parce que nique-toi. Coucou! Parce que là, 1.13, il y a toujours les 7 gamins qui sont ici présents. Et on commence sur une épreuve de coopération, bien évidemment. Oh. Ouais. Coopération avec vous tous, je le sens très très mal pour les cagnottes, mais bon. Non mais bon! Le principe. Pardon. Est-ce que ceux qui étaient là sur la saison 4 de Koh-Lanta Minecraft reconnaissent cette île? Oui. Non. Il s'agissait de faire un gâteau. En effet, votre objectif est de faire 100 gâteaux. Hein? En 5 minutes. Comment on fait un gâteau? Allez, en 10 minutes, je vais être sympa. Je sais pas comment ça se fait des gâteaux, les gars. À votre disposition, il y a un élevage de poulets tout au fond. Et puis, il y a des fours avec déjà du carburant dedans pour vous aider à faire. Mais vous pouvez utiliser, bien entendu, toutes vos affaires que vous avez déjà. Et top 10 minutes, c'est parti. Anouik, Tommy, vous allez miner. Je vais aller chercher des œufs. C'est quoi déjà, j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui va chercher de lait. Bastien va chercher de lait. Mais j'ai pas de seau. Va miner aussi. Ouais. Va miner. Mais calme-toi, frère. Viens chercher les œufs avec moi. Donc il faut placer les 100 gâteaux sur la zone bleue. C'est beaucoup d'étonnement, en fait. Faudra poser les miné, tu mines sous toi. Tu mines bon tu mec, je prends ta mine aussi, Romain, mais je pars d'un autre côté, ok. Alors, le défi gâteau, forcément. Attends, je vais chercher les. Putain, les gars. Mais attendez, j'avais déjà deux lingots sur moi. Ah bah vas-y. Vas-y. Mais on a le droit d'utiliser les lingots qu'on a déjà sur nous. Vous avez le droit d'utiliser tout ce que vous avez. Okay. Mais en fait, j'ai. Mais c'est une blague, j'ai 7 lingots d'or. Bah, au cas où tu n'aurais pas remarqué, tu n'as pas besoin d'utiliser autant de poulets. Mais j'ai des lingots de fer. Non mais t'as pas vu le hopper je pense. Quel hopper? Attends je remonte, ça sert à rien du coup. Bravo BDD que ça. Le hopper. Il n'y a pas de hopper. On va remettre. Ok bon. Attendez j'ai 7 trucs entre... Non j'en ai 4. T'es aveugle tant mieux. Voilà. Il y a les œufs. Il faut faire combien de gâteaux du gâteau? J'en ai assez mais mec ça. Un maximum jusqu'à 100. Alors je peux me permettre de caler ta table de craft. J'ai 11 seaux. J'ai 2, 3, 4. Je peux me permettre de caler les tables de craft. Putain, comment on vide les trucs, s'il te plaît. Ok, c'est bon, je vais se faire. Je suis complètement bugué. Comment on fait des gâteaux? Je vais chercher le sucre. Il faut de la canne à sucre, il faut du blé. De la canne à sucre un peu partout. Et il faut du lait. Je vais chercher les cannes. Tout est disponible. Canne à sucre, il y en aura assez, un stack. Oui, il y en aura assez. J'en ai 36 de canne à sucre. On peut faire un peu, on sait jamais. Si on fait 100 gâteaux, mais là, c'est un team, on est d'accord. Hein. Vous êtes tous ensemble. Okay. Il vous reste 8 minutes. Oh là là. J'ai trouvé encore aucun fer. Viens en 490. Je suis bloqué. Il y a beaucoup trop de fer. Je rappelle qu'il faudra poser les gâteaux sur la zone bleue, évidemment, sur laquelle vous étiez au départ. Mais les sauts, en plus, ça les redonne ou pas? Je sais plus. Oui, ça a l'air donne. Okay, ok, bah il en faut juste que 3 c'est quoi. C'est bon, j'assais. Ah, ça a l'air donne en 1.13, je savais pas. Oui. Allez, au revoir. Ah, bah c'est un peu trop facile en fait. En 1.12, ouais, ça redonne. D'accord. Bon, c'est bon, niveau canal. Niveau. Quelqu'un va chercher. Attends, je Attends, les œufs. Pour ceux qui trouveront les grottes. Les œufs, j'en ai déjà plein. Les grottes sont remplies de fer. J'en ai pas 100, mais j'en ai plein.
regardez tous les poulets. Ah oui, parce qu'il en faut sort. Bah, faites des bébés les copines. Faites des bébés. Allez poulet. Allez pouletto. Vas-y, Bastien, gère. Ils font tous des bébés. Allez. Ah, quelqu'un, celui qui a le fer, est-ce qu'il l'a déjà fait cuire? Bah là, je suis en train de le faire cuire. Hein. Allez. Tiens, j'ai un fer monsieur. Eh, mais il y a des seaux. Il y a des seaux avec les seaux de lave. On peut prendre les seaux. Ah non, 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 non. S'il te plaît. Mais j'ai des seaux de lait. Vas-y, ramène-les-moi, je crois. Bon, les chéris, vous allez faire un bébé ou c'est parce que... J'avais oublié ce détail. Ouais, attends, t'es où? C'est un peu trop. J'ai deux œufs. Ça va, il n'a pas beaucoup de seaux, donc... Bah, moi, je suis sur la table de craft, ramenez-moi les trucs. Il me faut du blé. Regarde. Il faut trois seaux d'eau. Mais pourquoi t'as jeté un œuf? Trois seaux d'eau et du blé. Bien vu, c'est bon. Il y a quelqu'un qui t'a droppé du sucre. Viens, on continue avec le blé, Nailek. Nailek, on continue le blé. J'ai rejeté les seaux. Je redonne. 6 minutes. J'en ai un. Tiens. Non, mais c'est bon, le canne à sucre, c'est bon. Il faut que des seaux d'eau maintenant. Je pense que vous allez réussir la mission avec Brio. Ils sont où les seaux? Je pars pour les seaux de lait. Tiens, j'en ai 4. Seaux de lait et encore quelques œufs. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2. J'ai 2 seaux. Connexion idéale, bien entendu. Je suis au poulet là, j'essaie d'avoir des œufs. Excusez-moi, cher spectateur, pour ces belles connexions. Tiens, ils ajoutent sur quel cachet, mais alors. On peut pas les stack, sauf hein. En stack 100, enfin, ça va être compliqué. Attention, raid. Pas penser, faut les reposer à chaque fois les gâteaux, sinon dans cette saison ça va être compliqué. Attends. On les pose nous. Sur la zone. Sur la zone bleue. Allez. Ils mangeaient pas. Il y a des seaux là. Il y en a qui ont disparu, Andy. Je les ai posés. C'est parce qu'il y a quelqu'un dessus. C'est une blague. Il te faut combien d'œufs, Mais c'est surtout les seaux de blé en vrai. 5 minutes. Bah, attends, il y a encore du fer dans les fours. Donc, t'en jettes dessus comme ça au moins. Tant mieux, j'ai passé à côté. Mais à chaque fois, j'en jette des seaux de lait. On dirait qu'il faut les récupérer pas, les gars. Vas-y, donne. Attends, tiens. On fait moitié. On se fait super. Ah putain, il y a encore un bug d'inventaire. Tiens. Passe-les-moi quand je suis sur la table de craft. Bah, calme-toi. Vas-y, bye. 1, 2, 3, je récupère un seau. 4. Et j'en ai encore un. Voilà. Tiens. Putain, merde. Donne les seaux, moi je vais remplir, j'aime bien. Remplir donc les gâteaux et récupère. Le blé, c'est bon ou pas? J'ai 6 gâteaux, gâteaux. Bah, niveau blé, c'est bon ou pas? Niveau blé, non, il y a mon. Ah. Il vous faut des œufs. Ouais, en masse. Regardez ce que j'ai récupéré. 4 minutes. Je rappelle qu'il y a toujours une taupe dans le groupe qui a intérêt à vous faire perdre, du coup. Oh, c'est vrai. Il y a pas... Ah bon? Ah, merde. Donne les seaux. Ouais. Ah, j'ai pas... Ah non, c'est mort. Attends, les seaux... Vous les avez, les seaux, ou pas? J'en ai rejeté. J'oubliais. En fait, Steph, il est où? C'est moi qui le vois. Je suis là. Mais c'est là. Je cherchais du fer. Il faut quoi? Steph, elle est un peu malade. Je peux enlève la pluie. Et la pluie vient se rajouter à votre oui, difficulté. Oui, s'il te plaît. Oh non. Alors, tac. Non, mais enlève la pluie. Bah, c'est les sauts. C'est bon, gagnez-vous. C'est ça. Attends. Regarde, qu'est-ce que j'ai récupéré? Les gâteaux, t'inquiète, je vais les poser. J'ai 15 sauts, je... 3 minutes. Des sauts. Attendez, je vais reposer les gâteaux vite. Ah merde, y en a que j'ai jeté. Allez, usine à gâteaux, on est... Oula. Tiens. J'ai trop de stuff. Est-ce que ça sert à un truc, les émeraudes, on me dit? Ah oui, d'accord. Là, les gars, mon inventaire, il est trop rempli, même. Tu peux jeter. Ok, moi, je le drop. Non, attends, on va faire. Je jette les gâteaux, là. Là, je vous jette les gâteaux, parce que là, clairement... Okay, 1, 2... On va faire un souvenir. Alors,
Petite session de... Allez, go les poser, go les poser. Va les poser, Romain. J'ai pas eu. Ah bah... Attends, qui l'a eu là? À chaque coup, vous récupérez pas les sauts. C'est un délire. Mais on peut pas... Deux ouais, minutes. j'étais sauts. C'est pas de notre faute. J'en ai jeté, mais c'est pas grave. Hein. De quoi? Des sauts de lait? Ouais. Okay, celui par qui les récupère pas. Je les récupère. Oh là là. Prends tes souliers. Là, si t'en as pas assez, je comprends poubelle. Pas. Bon, c'est un arbre de lait périmé. Il manque un... Attends, il manque du sucre. Andy, est-ce que... Non, sucre, j'ai... Attends, je sais pas qu'est-ce qu'il manque. J'ai plus de place dans mon inventaire, clairement. J'ai pas entendu ta question, Andy, Bastien. Est-ce que ça sert de la bouffe cuite? Oui. Du blé au cas où. Ça va, j'en ai pris. Okay. Un arbre, j'en ai bien. Ok, attends, je fais un saut de lait. Enfin, beaucoup de saut de lait. J'en ai un là. Tiens, je t'en donne. Non, mon bois. Ah, ok, vas-y, fais chercher des sauts. J'en ai drop des sauts. J'ai drop, faut faire exprès. Reste à côté, j'en ai droppé sûrement. J'ai droppé des sauts. Une minute. Oh, moi j'en ai. Une ou huit? Ah, y'a un gâteau là. Il reste qu'une minute. Un gâteau, c'est un gâteau. C'est bon, oui. Je posais. Mais c'est mort. Posez. Oui. Comment tu veux faire? Je remets des sous. On doit en faire 100, quoi. Bah, vous êtes déjà à la moitié. Ouais, mais la moitié. C'est une question d'organisation après. Bah, là, on est organisé, hein, voilà, mec. 30 secondes. Usine à gâteau, là, mec. Mais vous êtes sûr avec vos connexions de. Non, mais c'est le serve, hein, c'est pas nous. Hein. Non, mais vous récupérez tout, moi je récupère. 20 secondes. Forcément, bon, si vous êtes tous collés, forcément, vous récupérez tout. Je ramène deux œufs. Tu peux en faire. Non, mais ça servira à rien, les œufs. 10 secondes. Posez tout ce que vous avez. Attends, je... 5, 4, 3, 2, 1, stop. Alors, le compte. Oh là là. 10, 20, 30, 39, 44... 45, 46, 47, 48, 49 gâteaux, ça fait la moitié quasiment. Ça s'est pas joué à grand chose. On y était, hein. 49 gâteaux, c'est 4900 supplémentaires dans la cagnotte du gagnant. Si tant est qu'il y a un gagnant, bien sûr. Regardez. Bien. Oh, l'usine de gâteaux qu'on a fait, sauf. Bravo à vous. On va donc passer directement à l'épreuve d'immunité avant que vous retourniez. Regardez les bébés poules sur le camp. Je vais vous expliquer. On va jouer en mot-code. C'est-à-dire que je donne un indice, puis après je donne un autre indice. Le premier qui me trouve le bon mot-code, comme dans Fort Boyard, il pourra passer directement à la suite. Que je vous explique l'épreuve complète. Le premier qui me donne la bonne réponse, du coup, là, va pouvoir aller tout au fond. Quoi? Non. Non. C'est l'inverse. Devant. C'est l'inverse. Le premier qui donne la bonne réponse pourra directement se stuffer ici. Il pourra aller dans les souterrains, etc. Il pourra directement commencer à se stuffer. Puis après, question suivante. Le deuxième qui part, il ira sur la deuxième salle. Enfin, deuxième île. Le troisième sur la troisième île, etc. Donc celui qui n'aura pas eu le temps de bien répondre ira à la toute dernière île, tout là-haut. Et ça va être des duels 1v1, c'est-à-dire que celui qui est tout au fond commence, il va se battre contre celui qui est juste devant, le gagnant il reste sur la piste, il se bat contre celui de devant, etc. Donc évidemment, plus vous répondez bien vite, moins vous aurez de duels à faire. Celui qui commence ici n'aura qu'un duel à faire. Et comment on doit répondre en privé? Vous répondez en slash tel. Et comment on fait? Slash MSG. Alors dans ce cas, c'est parti. Noir. Ah, forcément avec un indice, vous allez galérer. Farine. Noir, farine. Paille. Bonne réponse Red, c'est le blé. Tu peux déjà commencer à te stuffer ici, vas-y. Yeah. Au calme. Deuxième. Voir. Deuxième. Fort. Voix. C'est pas Boyard. Fort. Voix.
toit. Fort voix toi comme un toit, comme le toit de la maison. Fort voix toi banque. Fort voix toi banque. Bonne réponse de Tommy, c'est le coffre. Ah oui, coffre fort, oh bien. Et pourquoi coffre fort. Un coffre fort, un coffre voix, quoi. La voix, bah, c'est avoir, la voix, c'est avoir du coffre, tout ça, enfin bon, bref. Tu peux déjà commencer ici sur la deuxième ligne, très bien. Et pourquoi un toit. Eh bah, le toit du coffre, je ne sais pas, je écoute. Hein, allez, ça. Allez. Je ne suis pas charpentier. Je ne suis pas charpentier, désolé. C'est pas de charpentier. Ça c'est trop dur votre truc, c'est très intellectuel. Hey, ils sont durs en fait. Hein. Alors suivant. Ah oui, pense à moi. Chance. Ordre. Chance. Ordre. Contre. Chance. Ordre. Contre. Fête. Chance, ordre, contre, fête. Chance, ordre, contre, fête. Nuit. Chance, ordre, contre, fête, nuit. Et j'ai une bonne réponse qui est de Steph, c'est le jour. Voilà. Steph. J'ai rien compris. Steph, 3ème île. Chance, jour de chance. Le jour de chance, l'ordre du jour. Oui. Est-ce qu'on peut être éliminé? Contre jour. Non, il n'y a pas d'élimination. Ah, ça va. Ok, suivant. J'ai trouvé Mass Games, j'aime bien. Ok. Coupe. Hein, couple ou coupe? Coupe. Agneau. Coupe. Agneau. Tête. Quoi? Tête. Coupe. Ah. Agneau. Tête. Poker. Coupe. Agneau. Tête. Poker. Coupe. Agneau. Tête. Aïe. Poker. Chocolat. Il y en a un qui est pas loin. Wow. Et j'ai la bonne réponse de Nelek, c'est le carré. Ouais, ouais, le carré. Elle est nulle qui m'a dit carreau juste avant, c'est pas loin. Tu peux déjà aller sur la 4ème île du coup. Voilà. Mais bon, ça, je moi, trouverai jamais une réponse sur ça. Je pense à les derniers, donc est-ce que je peux y aller avec tout le monde? On voit clair. Mais de toute façon, j'ai quand même espoir parce que vu pas ce qu'il a fait Alex. On sait jamais, on sait jamais. Ouais, ouais mais c'est Alex. Évidemment, oui, plus vous êtes au fond, plus vous aurez dû à la faire, mais bon. Yeah. Suivant. Jeu. Mot. Jeu. Mot. Naturel. Jeu. Mot. Naturel. Troupe. Il est pas facile. Jeu. Oui. Mot. Comme tous les deux. Naturel. Je sais même pas comment on peut trouver le mot en fait. Troupe. Jardin. Jeu. Mot. Naturel. Troupe. Jardin. Et quand il restera plus que Bastien et moi, on trouvera jamais, hein. Cœur. Quoi? Cœur. Jeu. Mot. Naturel. Troupe. Jardin. Cœur. Je vais rajouter Kenzo, ce sera plus simple. Bonne réponse, by Divix. Enfant. Cinquième île. Bon, plus que vous deux, du coup c'est le dernier, c'était enfant. Juste ce qu'il a dit Kenzo, sinon j'aurais jamais trouvé. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est bien, il y a déjà des tables de craft chez moi. Ça aurait été sympa avec moi. Donc c'est peut-être pas chez moi. Oh, j'ai trouvé Mass Jams. C'est peut-être pas chez moi. Attendez, c'est... Cinquième île. Après... Avant dernière. Attends. Je sais pas si c'est... Non. Ah, moi, je sais. Il y a plus que vous deux. Bah, merci de me le dire. C'est parti. Expression. Oh, c'est facile. Flambeau. Ça va aller, Bastien. Ça m'énerve. Entreprise. Quoi?
Expression, bien. Flambeau, entreprise, orage. Non, ça c'est pas un indice, c'est juste que je l'ai vu. Expression, flambeau, entreprise, égalité. Expression, flambeau, entreprise, égalité, individuel. Et là, et Sébastien qui trouve. Le dernier va être très facile. Expression, flambeau, entreprise, égalité. Kenzo. Individuel, statut. Merde. Oh, c'est facile. Merde. Bonne réponse à l'ennemi, c'était la liberté. Mais non, sérieusement. Mais frère, mais je sais même pas ce que c'est. C'est parti, sixième île, et Bastien, tu peux aller au fond directement. C'est parce que c'est la statue de la liberté. Je sais même pas quoi faire, là. Vas-y, va tout au fond, Bastien. Et dès que t'arrives sur l'île, vous avez plus qu'une minute pour vous stuffer. Mais faut que je fasse quoi? Bah, tu t'équipes, t'essayes de trouver du meilleur stuff pour te battre. T'essayes de crafter, il y a du bois. Mais on a le droit d'utiliser son ancien stuff ou pas? Oui, vous avez le droit d'utiliser tout ce que vous aviez. Oh! Ah, c'est bon, j'ai des chances de survivre là. Bon, bah, au moins, tu laisseras gagner, ok? Et top, c'est parti, une minute. Avant le premier. Et en fait, on a creusé où, je peux savoir? Allez-y, montez sur la poutre. Non, en plus, c'est sur. Non, mais vraiment, j'aurais. J'ai juste une question. Oui. Mais t'as encore le sang de Saf, Zebi. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que on a le droit de spambo? Vous faites ce que vous voulez. Tu fais ça. Même moi qui ai un cancer, je n'allais pas le faire. Après, c'est par rapport au fair play, tu vois. Par contre, est-ce qu'on a le droit de poser des blocs? Non. Ce n'est pas. Il se chronique à Brain. Ce n'est pas un nique à Brain. Allez, 3, 2, 1... Mais arrête, on est trop fiers d'un mec sérieux qui allait pas spambo ni rien et tout. Oh, quel enculé. Oh, oh. Le premier qui tombe ou qui meurt a perdu. Faut pas spam, Bastien. Le premier qui tombe ou qui meurt, c'est gagné pour Bastien. Oh my god, oh my fucking god. Bastien, tu peux remonter. Ça va, ton Steph? Bastien, tu peux remonter. Red. Oh my god, je suis désolé, Romain. Mais regardez le stuff de Red, les gars. Bastien, oh mon Dieu, j'ai gagné. Bastien, tu peux remonter. Mais les gars, le stuff de Red. Oh non, j'ai encore. J'ai été fair play, j'ai pas spambo. Donne-moi ton arc, Elnwick. Bastien, by Divix. Tu m'as spambo. Tu m'as spambo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bastien, by Divix, pas de lave. Pas de lave, s'il vous plaît. Bastien, by Divix, 3, 2, 1, c'est parti. Bah, spambo. Aïe, 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 aïe. Et c'est la victoire pour Bide. Le mec qui parle à sa carte de faire clé, il est... Je te re-TP pour que tu prennes tout ce que t'avais. Tu vois, Geeker Fortnite, on se parle plus, c'est bon, t'es qui? Duel suivant, Red. En plus, on me TP en bas, j'ai même plus mon... Non, c'est pas moi. C'est Nelek. Oui. Bah oui. Attendez, je suis en train de tomber. Okay, c'est... 3, 2, 1, c'est parti. Bon, bah les couilles. Je veux gagner, moi, je veux pas te... Gentil avec toi. Mais il a lag ou il est vraiment en full bouclier? Non, je crois que. Ah non, il a pas lag. Ouais, il a lag, si. Bah, je vois non, plus regarde, personne. Il bouge. Si, il bouge. Je l'ai vu bouger. Ouais, c'est vraiment un casse-couille. Oh, ça canne. Oh, ça canne à pêche. N'importe quoi. Mais t'as qu'à aller le buter comme ça. Ouh. Et c'est Nelek qui gagne le duel. Bah alors, pas une difficulté de tryharder du niveau 1000. Reste sur la poutre. On a perdu. Au suivant. Non, mais... On est sur une poutre. Allez, dépêche, problème. Allez, Steph. Ok. Romain, t'es sérieux? C'est bien, Romain. Courage, Steph, courage. Moi, j'ai une pioche en diamant. Ouais, vous m'aurez laissé le temps de me faire du stuff. 2, 1, c'est parti. Oh là là, il faut bouger. Mais quel cancer! Il est pire! Duel à l'effet. Il est pire que tous réunis! Vraiment! Et moi je dis, il est hors poutre là! Non mais Steph, attends! Mais moi j'avais pas de bouclier, c'est une blague! Allez! Viens! Ok! Oh, c'est Nelek qui est resté le dernier! Oh là là! Homme fatal, hein, attention. 3, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, on va jeter notre merde. Duel au sommet.
Au sommet, on attend. On dirait la finale de KLM 4. Oh. Tommy, ça sert à rien, il a son bouclier. Ah, bien. Ah, bah, il a un peu sauté tout seul. Dernier duel, Tommy vs Red. 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je dis vote disciplinaire pour Zebi. Attendez, on n'a pas vu. On dirait deux pépés qui n'osent pas avancer là comme ça. Il y a un banc à droite, les gars. On dirait Booba Karis. Bah non, Booba. Bah c'est un, je t'ai vu, t'es. Non, c'est fou. C'est bon, ou à gauche de mon écran là. Oh. Il est très beau duel. Et c'est la victoire. Et c'est la victoire de Red. Oh my god. Yeah. Boum. Tu peux boum, récupérer allez. Le totem d'immunité. Je suis mort. Depuis je suis tué. Tu me. Jusqu'au bout, Zebi. Voilà, Red. Merci. Bravo. Oui. Non, mais arrêtez. Merci. Red est immunisé, on va au conseil. Laissez-moi, il veut me tuer. Bienvenue au conseil, Red, bravo. Merci. Est-ce que tu t'y attendais à cette victoire ou pas du tout? Pas du tout, vu que c'était du PVP déjà. Mais, un stuff après, jams. J'ai eu la chance pour la question, oui. J'ai eu la chance d'avoir réussi en premier là, le mot code. Bravo, bien joué. Merci. Pour la peine, tu seras donc le dernier à aller voter. D'accord, non, mais c'est gratuit, non. Bon, donc chacun son tour, Bastien, Steph, Nelek, etc. Pour qui tu veux voter? Pour Steph. Et pourquoi? Parce que bah, j'avais envie de le voter, et pour moi, c'est la top. J'avais voté contre tout. Parce que c'est la cible de notre alliance avec Bay. Je vais voter contre... Steph. Et enfin, en fait, c'est soit lui, soit Red Latop, donc... Ah voilà. Quoi? Mais j'avais pas envie. Bon, c'est quoi le rebondissement du coup? Alors déjà, tu veux te calmer? Il y a quand même d'éliminer encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Oui, et on doit faire deux épisodes. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité à jouer et souhaite le jouer ce soir? J'ai un stack d'immunité. J'ai une pomme d'or. Vous savez, donner de l'argent, ça va pas nous aider. Bon, juste ça. Que ce soit de l'argent, de la bouffe, n'importe quoi. Si vous voulez une pomme. Je mélange les votes. Premier bulletin. Contre Alan Wick. Second bulletin contre Tommy. Le troisième vote, il est contre Steph. Une voix contre Alan Wick, une voix contre Tommy, une voix contre Steph. Je rigole s'il y a quelqu'un qui a voté Red. Ce serait quand même sacré bon. Quatrième vote contre Steph. Cinquième vote contre Tommy. Oh! Deux voix contre Tommy, deux voix contre Steph, une voix contre Alan Wick. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais sauter. Avant dernier bulletin. Côté qui? Il est contre Alan Wick. Oh my god! Deux voix partout, ce bulletin est le dernier. Et ce dernier vote est contre Bastien. Ce bulletin est le dernier. Allez, et il non. Peut être décisif. Il est décisif. Sauf si c'est contre quelqu'un. Enfin bref. Il est contre Alan Wick. Non. Romain, oh my god. Je suis désolé. Nailek, t'es vraiment un putain la tribu de réunifiée a décidé de t'éliminer. Rejoins-moi s'il te plaît. Romain. Je pense qu'il l'a mérité. S'il vous plaît, arrêtez de faire des câbles. Romain, la tribu a décidé de t'éliminer. Leur sentence est irrévocable. Étais-tu la taupe?
Bah non, il était dans notre équipe. Non, parce que j'étais dans l'équipe rouge et ils avaient déjà tous. C'était plutôt. Mais Nelek, t'es vraiment débile, hein. Il comprend rien au but du jeu, lui. As-tu un dernier mot pour tes coéquipiers? Bah, bonne chance à ceux qui m'ont pas voté. Merci. Merci à toi, bravo. La semaine prochaine dans Top Lanta, une épreuve en duo. Donc je vous le dis encore une fois, ce n'est pas une compétition. Vous devez ramener les émeraudes dans votre shulker. Je ferai les comptes à la fin des 5 minutes. 3, oh, mais mon Dieu, 2, 1, c'est parti. Qui peut coûter très cher. Juste une chose, je vous ai menti. C'était une compétition. Voilà. Du coup, le duo qui a été le moins performant, vous allez vous affronter sur une épreuve éliminatoire. Oh my god. Fais-moi un bisou. Ça se passe juste à côté, rejoignez-moi. Et enfin, un grand classique pour l'immunité. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Non. Non. Je vais quand même vous expliquer. Il faut acheminer le minecart au fur et à mesure, d'étape par étape. Et puis les deux derniers, évidemment, referont tout le parcours, parce que sinon c'est pas drôle. Tiens. Au pif, comme ça, sans aucune logique. Parce qu'il me paraît dangereux quand même. D'accord. Un petit peu dangereux. Mais si je sais, c'est pas à toi, mais... Ouais. Je vote... Ah, j'ai reçu. Ah, merde, je te... Et pourquoi? Parce qu'il me vote, je crois. Enfin, apparemment, il me vote. Contre qui? Alors... tu veux voter? Je vais voter contre Alnwick. Et pourquoi? Parce que les indices pour la dernière taupe... J'ai parlé avec une autre personne et on pense que les indices mèneraient vers lui. Du coup, bah on essaye. D'accord. Je vote contre Alnwick. Et pourquoi? Parce que je veux pas que Tommy soit éliminé et je les emmène. Ouais. D'accord, merci, suivant. J'espère être éliminé à cette place parce que Tommy, il a vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait une.